Ces deux brillants chercheurs jeunes gabonais avec pour boussole l'exercice des exigences scientifiques de production d'une thèse que ces futurs doctorants ont suivi durant 2 semaines au cabinet Azizé Nongo Conseil, un séminaire d'encadrement épistémologique sanctionné d'une attestation de formation. Je suis très satisfaite déjà par rapport à la personne qui nous a transmis ses connaissances. Je dis merci. Je dis merci parce que j'étais en pleine phase de rédaction de ma thèse et donc j'avais besoin de mieux structurer mon travail et surtout respecter la méthodologie. Donc cette formation m'a permis d'avoir le canevas qu'il faut pour produire un travail scientifique, objectif et de qualité. Donc je sors de ce séminaire satisfaite de tout ce que j'ai pu recevoir. Et je dis merci au cabinet et merci au docteur Tapoyo. Je tiens d'abord, premièrement, à remercier le cabinet Azizé Nongo Conseil. Après, je sors de là enrichi et outillé par rapport à l'apprentissage de la méthodologie de rédaction de la thèse, étant donné que je suis en instance de soutenance master recherche, donc qui débouche vers la thèse, je suis venu anticiper sur le travail. Sur 4 séances de 4 heures de temps de travail par jour, les doctorants ont appris les mécanismes de la rédaction d'une thèse de calibre. Ce type de formation est nécessaire pour encadrer la production scientifique. Également nécessaire pour accompagner les futurs enseignants-chercheurs qui auront pour mission de produire la science et d'encadrer dans le futur la production de cette science-là. Donc, durant ce séminaire, pendant 16 heures, c'est un module de 16 heures, nous accompagnons donc, nous donnons les outils aux doctorants pour structurer et produire un travail scientifique de qualité, notamment de savoir comment est-ce que l'on structure la théorie, comment est-ce que l'on fait débattre les auteurs entre eux et nous débouchons à travers également les résultats à produire une théorie. Au niveau des concepts, de la définition à la production des concepts, si notamment les résultats nous en permettent. Quel autre aspect ? La structuration d'un modèle théorique. Comment, après plusieurs données, après tout le travail détaillé au niveau des résultats, comment produire un schéma qui donne ici l'essentiel de la théorie que nous appelons le modèle théorique, qui sont donc la 3 clés essentielles d'une production scientifique. La théorie, les concepts, et le modèle. Un accompagnement de qualité qui permet aux doctorants de produire une bonne soutenance de thèse réussie. L'une des spécialités du cabinet Azizé Nongo Conseil.